Et yo les amis, c'est Maître Drian et on se retrouve pour la suite de notre épisode, de notre let's play, je veux dire plutôt sur Outlast, en compagnie de Dark Aurore. Ça c'est quand Yosh. Voilà, donc on s'est arrêté là. On a dû remettre en fait l'épisode précédent a été pour mettre les fusibles et on va tenter de rejoindre le Père Martin. Ah oui, ça Et me plaît, Martin. là donc on va voir les passages qu'il y a à apprendre. Non mais moi quand on dit Pierre Martin, ça fait penser à Martin Solveig, alors. C'est pas la même chose. Hein. Enfin, côté Ah pseudo. bah, je te promets, à chaque fois que quelqu'un me sort Pierre Martin, à chaque fois je dis Martin Solveig, alors. Ok. Moi, je sais pas pourquoi. Non plus. On va voir ce qu'il y a dedans. Mais non, je veux voir ce qu'il y a dedans. Oh non! Putain, c'est les mecs avec leur gros zizi. Faire gaffe. Alors, si je vois où t'es, tu dois être vers les deux gars au zizi et tu dois. Ah ouais, tu viens de finir les trucs, les. Je sais plus comment ils s'appellent, les trois trucs à récupérer, ouais. Oui, j'ai fait les fusils maintenant et les. Et ouais, j'avais entendu. Ouais. Je sais pas si. Ouais, j'avais entendu que t'avais perdu un document. Merde. Ça, je me faille. Est-ce que tu penses à récupérer tous les documents? Je ne sais pas. Bah, moi, quand je regarde des vidéos, pour l'instant, bah. J'ai pas Bon. l'air d'en avoir loupé. Bah, en fait, t'as loupé un. Lequel? Il y en avait un au deuxième chapitre. Et tu l'as loupé, tu t'étais passé à côté. Ouais. Ouh! Ouais, t'as cuté le ventre! Oh putain! Ah, ta mère grand! Enfin, ta grand-mère. Eh oui, Trigigan. Maintenant, il est sur PS4. Il n'est pas pour l'instant sur PS3. Enfin, normalement. Bah, si cette vidéo sort avant la vidéo que je vous parlais, normalement vous aurez une surprise avant cette vidéo. Enfin, normalement. Une surprise. Le jeu qu'on l'a fait, c'est la première fois qu'on faisait une vidéo dessus. Ah oui. Oh putain, mec, zizi volant. Un mec au gros zizi sauvage apparaît. Est-ce que toi tu crois, j'ai entendu t'as parler d'un Arceus méga évolution. Est-ce que toi tu crois à Pyro Arceus là, où en gros il est en mode humain? Oh non. Ça Bon, existe. moi j'y crois un peu sur sa méga Arceus, méga, mais j'y crois pas trop non plus sur Primo Arceus. Moi, j'y crois pas du tout, ça. Même en méga ou en primo. Attendre ici qu'un mec avec un qui se tripote l'anneau il vient comme vous avez vu hein, mon dernier le montage que j'avais fait sur eux en vidéo. Bref, bref, bref. Je pense qu'il va falloir que je passe dans la salle que j'ai ouverte pour eux. Je pense que c'est un peu la solution la moins conne. On n'a rien dit. Ah, ils partent, Je pense regardez, on que zoome c'est une dessus, on voit leur cul. Gros cul en approche. Ah, donc on avait filmé quelque chose, j'avais marqué mensonge, donc on n'a pas Attends. lu. Et c'était dans la salle avec plein de lumière. Je reconnais C'est des notes, l'écriture. regarde là, ou c'était des documents? Là, c'est la note, mais tout à l'heure, j'ai regardé 3-4 documents. Ah, c'est dans les notes, pour l'instant, t'as loupé aucun truc. Ouais, mais après, je sais pas s'il y a un trophée aux notes.
Y a que si tu réunis toutes les notes et tous les et toutes les notes d'enregistrement. Et si D'accord. vraiment t'as fait que les notes mais pas les documents, ça compte pas. Ouais, mais c'est bon, non, de toute façon, ça après, je le referai. Je reconnais l'écriture. Le père Martin a tué un homme ici. Est-ce que les mensonges dont il parle, ce seraient les dossiers qui ont disparu de toutes ces boîtes? Les faits, les archives. On dirait des documents d'une agence officielle. Ils ont l'air d'avoir au moins 30 ans, probablement plus. Je commence à réfléchir à ces histoires de MKUltra et de CIA. De contrôle mental, le bourdonnement est permanent. Tu m'as fait rire, t'as un peu dit réfléchir, tu m'as dit, t'as dit réfléchir. Je te promets, j'étais en train de rigoler et j'entends réfléchir. Je dis, ah, ça Allez, veut dire quoi ça? arrête, je vais rire plaisir. Comment Allez, apprendre arrive. l'alphabet avec Drigan? Voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, je regarde si j'ai rien loupé. Bon bah si tout le monde veut des astuces sur Madara Uchiwa sur Naruto, bah vous demandez à Maître Driayan, bah c'est le meilleur que je connais qui sait contrôler Madara. Voilà, c'est bon. D'accord, je reconnais ton droit. Donc on va avancer tranquillement, les amis. Je te souhaite bonne chance en avance, hein, si je connais bien son droit. Parce que t'as un peu dans la merde en fait. Mais non, t'inquiète, je gère. On connaît les Power Rangers. Attends, YOLO! Oui! Oh oui! Oh oui! Non! 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 Non, putain, ils sont sérieux? Putain, mes doigts, ma caméra, la prochaine fois, c'est quoi? Les couilles! Non! Tu me dis que t'es dans la merde, hein? Mais non, on avance. Tu peux pas avec une Quand vous caméra. déplacez Vous dans allez prendre une l'obscurité, vous caméra. avez besoin de votre caméra. Oh putain, je dois redescendre. Oh la mesquine. Bah en gros tu peux aller dans l'ombre mais qu'avec une caméra. Sans l'ombre tu peux pas. Sans, on veut dire, sans caméra tu peux pas. Merde, les amis. T'es dans la merde, hein. Oh les amis, c'est là. Oh c'est là. Oh, là, on a perdu notre caméra. Putain, je l'avais payé entre 300 et 500 euros en 5 fois. Parce que ça avait banqué sinon. Non, je déconne. Putain, ma caméra que j'ai payée. Je sais pas combien. Oula. Bah, moi je trouve que la caméra ressemblait plutôt à une caméra en caoutchouc en fait. Non, ça se voit que c'est une caméra. C'est une bonne caméra en plus, elle voit dans le noir, c'est pas de la merde, Oh hein. les toilettes! Hein? Les toilettes! Y'a quoi? Y'a les toilettes! On peut pisser! Oh putain, y'a carrément un trou dans les chiottes. Attendez. Regardez mes pieds. Bon, là, j'ai pas confiance. Non, non. Je fais noir comme je sais pas quoi, comme vache qui pisse. Comme vache qui pisse. Non, on dit qu'il pleut comme vache qui pisse. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie, mon con? Oh putain, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh le connard! Mais non, franchement, on est tranquille, si on avance doucement, on n'a rien à craindre. Ah putain! Je le savais en plus. J'ai sursauté de ma chaise. Enculé. Ah ben Voici. moi, pour l'instant, ça fait Waouh! partie de mon top des trucs qui m'a fait plus flipper en streamer. Ah, moi, le premier en top, c'est le premier dans la bibliothèque. Non. Moi j'en ai un, c'est celui de Luthor Trigger quand il apparaît devant ta gueule et tu il te frappes. Oh non, ça m'a surpris, mais j'ai pas sursauté encore. En même temps, quand tu Là, t'enfuis avec un franchement. mec qui t'attend. Attends. C'est ce que je vois là-bas. Oui. C'est bien ce que je pense. Mon amour! Ma caméra! Ça faut faire le tour ou quoi? Ah oui. Tu crois c'est bien dire? Ah, sans toi. J'étais. Sans Ah toi. mais tu crois Avec que toi, t'es j'aurais moins dangereux? peur. Avec toi. Ah! Non, 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 non!
de déconner. Putain, 500 euros dans le cul. Arrête de te foutre de ma gueule, elle bug ma caméra maintenant. Ah, je me suis trompé de sens. Et je me suis encore trompé de sens. Allez, go, 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 go. Oh putain. Et arrête de se faire foutre, tu me bug en plus. Regarde, elle est cassée. Regarde, à cause de toi. Elle a un pet. Le mec, il se fout de ma gueule de putain. L'autre. Mais vas-y, regarde, regarde, tu vas avoir peur, espèce de tarlouse. Et voilà, t'as eu peur. Et arrête de bugger, arrête, sinon je m'en fous, j'en rajoute une à Carrefour. Pour le prochain Let's Play. Oh, putain, regarde-moi, regardez-moi ce pet, elle s'est cassée. Le gros pet qu'elle a eu. Oh, ah, c'est horrible. Ah, my god. C'est réaliste. Ça fait bien réaliste sur le jeu en plus. Ah, mais grave, franchement, ça fait trop bien. Mais heureusement, ils auraient pu faire plus pute. Ils auraient pu mettre la fissure au milieu, tu vois, franchement. Ah, oh, ça aurait été un peu cohérent ça. Ça aurait été salopard. Ça, t'aurais imaginé, ça aurait caché les trucs des piles. Vous aurez caché la zone de la pile. Ouais, ils auraient pu faire ça, franchement. Peut-être caché... en psycho, c'est peut-être dedans, hein, on sait pas. Hein. Je sais pas, mais moi je sais que j'aurais fait un truc comme ça. J'aurais fait ça. Ouais, y'a juste un pote à moi qui a fini le mode psycho sur Roadclast. Ah ouais? Bah, le mec, je lui ai dit GG parce que le mode psycho, c'est dur. Hein. Ouais, faut quand même bien faire gaffe. Putain, t'imagines, y'avait un trou, putain, tu serais déjà tombé. Non, non, mais moi je tombe pas dans les trous. T'es fou, toi. Putain. Là, on dirait que tu balances un truc par terre. Ouh. Ouh. Toi, j'ai pas confiance, toi. Toi, t'as un enfoiré qui va me sauter dessus. Mais on va y aller doucement, mais non, à moins qu'il est gentil. T'es gentil? Il y a qu'une issue. Une seule. Ah, tu me laisses y aller? Ok, bah, moi je te ferme la porte. Voilà. Jamais... J'ai pas confiance en coup de pute. Là, il y a un screen... pas, mais quand ils disent il y a la sortie, on croit qu'on va y partir, mais on sait même pas en fait. Ça nous stresse un peu parce qu'on sait même pas si y a la sortie vraiment en fait. Ah bah ça. On va avancer un peu. On a combien de temps? Je connais ce qui va arriver après, mais j'étais étonné quand j'ai vu ce qui se passait. Moi, je verrai bien. Je sors là. Sauvegarde. Un chargement. Ok. C'est vrai que ça bug moins que le PC, c'est déjà ce jeu. Sur PC, il n'y a même pas un seul chargement. Tu passes directement dans la zone. Bon, aussi, c'est parce que PS4, ils ont fait déjà les graphismes, c'est déjà pas mal. Bah, ils sont vraiment beaux sur PC, franchement, je vais pas cracher. Je vais pas cracher sur la marchandise, je te le dis, moi. Je vais sur PS4, c'est d'une beauté, quand même. J'ai vu sur PC, quand même, quand ça pète ta caméra, on voit pas trop ses réactions. Ah non, sur PC. Non, non, ça, c'est du troll. Bah, il peut pas te tuer, enfin, essaie de lui foncer dessus, je sais pas. Parce que je te rappelle au premier niveau que tu fais quand il faut que tu te caches quand il arrive. Ah! Oh putain, il me fait sursauter! Voilà, c'est ça! Tu t'es pas un peu trompé de côté? Non! Oh non! Tu te rappelles du niveau où tu dois te cacher dans le casier avant qu'il arrive, le gros? Ouais. Eh ben tu vois, j'ai fait la vidéo, et tu vois le moment où j'arrive vers lui, eh ben il va à gauche, j'ouvre le casier, le mec il passe à côté, il me voit même pas. Ouais bah alors là franchement il te bait, mais là je m'attendais pas à lui, je m'attendais pas à lui. Alors, attends 2 secondes Val. Ouais, bon, on s'est fait tuer par le gros, on va tenter on va tenter une autre approche. Mais j'avoue aussi, je sais pas ce que t'as fait, mais je crois que tu t'es coincé à un moment. Tu t'es coincé, et en plus tu t'es trompé de côté. On va le regarder. Vous voyez où il est là? Putain de caméra, mais même si je joue pas, ça m'a fait flipper à un moment la caméra, quand elle fait ça. Je sais pas, mais je le sens un peu mal. Ta gueule. Hé oh, le gros, je suis devant toi. Ta gueule, il va pas me voir là. Bah, s'il y a de la lumière, je sais pas. On va voir. Il y a de l'ombre. Il est en train de péter une porte déjà. Je sens qu'il va venir. Je sens qu'il va venir. Ou qu'il est dans la porte que je pense. Tu vois?
Sous le bureau. Oh non, mais là, s'il te voit pas, t'es un gros troll. Non mais... Ta gueule, on marche doucement. Chut, ta gueule. Mais, je sais pas si... Oh, mais qu'est-ce qu'il fout? Oh là là... Bon, je dis rien, mais moi, ça fait la connerie la plus intersidérale du monde. Pourquoi? Bah, je sais pas. Tu t'es juste barré du bon côté, il fallait se barrer. Mais bon, c'est pas grave. Il est à gauche. Il est à droite, il est à gauche, il est à droite, il est à gauche. Il revient. Arrête, il s'énerve, il arrive. Bah, il est rapide, putain, comme gros. Hein. T'as même s'il fait le poids de Bigali, quand même, il est gros. Bon, les amis, là, il est rapide sur le jeu. Ouais, franchement, il est assez rapide comme colosse. Les amis, ce qu'on va faire, on va y aller d'une autre manière. On va aller dans une tentative d'approche en mode One Again Beast to Fly, Maître Dragon 2. YOLO! Vas-y, fais YOLO pour tes abonnés. YOLO! Ça, c'était le YOLO posé. Ouais, là il arrive. Là il arrive. Okay. Regarde où il est. Regarde-le là. Gros porc! Photo! Non, photo! Là, en plus, t'entends bien ses pas. Oh, t'as eu la chance! Eh, le gros, je suis derrière toi! Eh, connard! Je crois que. En fait, c'est connard qui l'a tiré. Dès qu'il passe devant. Et qui va à gauche, tu te barres direct. Je crois que c'est la meilleure solution. Ah ouais, non, mais comme je sais pas encore où est le chemin de la sortie, ça fait. Ça va être hard. Ça va être hard. Ça, ce qui fait quand même plus comme screamer, c'est ta caméra qui bug. Alors que c'est qu'une caméra, hein. On va voir où il va. Mais en plus tu marches à sa même vitesse. Exprès. À gauche. Vite. Pars-toi. Ah oui, il est là. Mais bah je suis... J'ai voulu voir un document, connard. Mais je crois que les documents... Je crois que les documents, je les ferai plus tard. Bon, je suis sympa avec Maître Dragon. Je vais un peu donner l'astuce. Il fait le barré parce que... Il est passé une fois à côté. Non, je l'aurais trouvé. Mais là, je voulais voir s'il y avait des documents, il y avait une salle que j'ai pas visitée. Putain. Oula, toi t'es. Ah ouais, t'as la gueule d'un mort. Ouais, ouais, c'est bon, fais ça. Allez, ta gueule, dégage. Allez, pousse-toi. Laisse-moi de la place. Merci. Allez, laisse-moi de la place, putain. Ça, ça m'a rappelé quelque chose, ça. C'est vous, oui, je suis. On m'appelle oh, que t'as foutu une écho sur le mur. Bon, la salle de cinéma d'un... Oh. Objectif récupérer la clé dans la salle de détente. Ok. Déjà on ferme ça, on va voir si on peut descendre. Mais je pense que... Non. Non. La salle de cinéma ne sera... Non. La salle de cinéma ne sera jamais en bas. Voilà. Juste pour dire aux abonnés, c'est l'anniversaire de Jonathan parce qu'il va bientôt passer niveau 20 sur League of Legends. Ouais. Joyeux anniversaire, fais attention LOL. Vas-y, ferme ta gueule. On va économiser là les batteries, les amis. Même si... Oh!
T'as une belle télé. Oh putain. Ça peut remplacer ton caméscope comme vitre, hein. Mon truc tout pourri, tout moisi, tout mort, ouais. Ok. Ça fait longtemps que t'as pas fait une vidéo Actifa sur le jeu, comment il s'appelle? Lequel? Alors attendez 2 secondes, les amis. Lequel? Ah, ça, ouais. Moi, ouais, c'est vrai que ça date. Alors attendez. Bah, déjà de 3 mois. Hein. Je compte pas, perso, je vais pas compter. Ça faudrait que tu te lances au Face Commentary sur tes jeux. Ouais, quand je me prendrai une caméra pour la PS4, je le ferai. Mais je pense pour l'instant, la caméra, bon. Ça a un blaireau, mais aussi ça sert pour les lives. Mais excusez-moi, moi, les amis, je ne bougeais plus et j'ai dû recharger la manette. Excusez-moi. Mais je pense qu'il y a quand même pas trop une grande utilité, quand même, la caméra sur les, quand même, les jeux. C'est pas le plus utile. Au début, je prendrais un truc pour le micro et après, je prendrais une cam pour la PS4. Bah, je sais que déjà ce que tu veux le plus. Bon, il y a un jeu que je sais que t'as envie d'avoir après ce que tu viens d'avoir, que je pense. Ouais, ça c'est une surprise pour le jeu. Je ne me. En ce moment, vous verrez cette vidéo avant. Le prochain Let's Play que vous verrez sur PS4. Ou les paroles seront. Oh, t'es badass, mec! Ah, tu me fais bander! J'allais dire que tu me fais jouir, c'est où? Ah, bah non, il est plus là. J'allais dire, waouh, tu me fais jouir, mec! Ah, il a dû être dans cette salle. Le mec, il était en train de. Ouais, tu disais. Oh putain, me refais plus ça, s'il te plaît. Cette vidéo, t'avais un autre Let's Play. Oui, après cette vidéo, il y aura. Ah bah, après cette vidéo, je pense, de toute façon, quand vous verrez un autre jeu sur PS4, sera mon prochain Let's Play. Et j'étais en train de dire aussi, ne me refais plus ça, s'il te plaît, jeu de merde. Lol. T'entends un bruit de. Comment dire? Un bruit spécial de la caméra, comme elle est en train de bugger. Waouh! Et c'est quoi? Bientôt, oui! Oui! Ouais, ouais. Oh oui! Un film de cul. Ah non. Merde. Déçu. Regarde, à bientôt c'est 400 abonnés quand même. Ah, bientôt 400 abonnés, oui. Et franchement, ça me fait très très plaisir. Alors attendez. Moi, il y a un truc que je trouve que ce serait pas mal, c'est que tu fasses. Pas une FAQ, parce que je sais qu'une FAQ t'en as pas encore fait. Mais une semaine spéciale où tu fais différents jeux, 7 jeux différents. Ça, j'ai vu quelqu'un qui le faisait. Et pour l'instant, je verrai pour le faire, mais pas pour le moment. Mais j'en ferai un, ouais. Là il y a un document, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Non. Donc là vous avez depuis tout à l'heure, hein, si vous voulez pas nous écouter, vous coupez son, vous mettez de la musique, et vous écoutez l'histoire là qu'ils sont en train d'expliquer depuis tout à l'heure, et que je ne lis pas. Alors, pense à te laver les mains. Le 19 septembre 2013 à 14h19 du matin. Facite nécrosante. C'est vrai? Putain, je démissionne. Non, c'était vraiment marqué, putain, je démissionne. On n'en a pas loupé, c'est bon. On va monter. Vous avez vu, j'ai moins de piles. Hein. Quand on connaît pas le jeu, qu'on avance, ça use pas mal de piles. Après, quand je vais bien le faire, quand je vais le faire en psychose, et je pense que je le ferai en live mode psychose. Hein. De toute façon, vous verrez bien. Ah, une pile. Mais je vois. Oh, putain, de... merde! Si Dragon sera d'accord, mais je sais pas, mais je pense une chance sur deux, je pense être avec lui dans le live. On sait pas. Ouais. Attends, j'avais une idée. Pourquoi on ferait pas tous les deux le même live et on ferait le même mode de jeu, le même mode de difficulté et comme ça il y a deux personnes différentes. Ouais, mais après ça forcerait à des gens de regarder un live plutôt qu'un autre. Si tu peux pas regarder les deux mêmes, ça ferait trop de bruit, c'est trop pète couille, tu vois. Non mais pour ceux qui préfèrent faire le mode psychose pour un mec qui rush et un autre pour ceux qui font un peu plus du jeu. Bah moi de toute façon là je l'ai fait déjà une fois le jeu. De toute façon je risque de le rusher aussi. Après. Bon, vu que, bah moi quand je dis que celui qui sort un peu plus je parlais de moi. Hein. Est-ce que je descends?
comme ça la One Again, ouais. Ah ouais, nickel, c'est tout fait. Oula, c'est quoi? Oh putain, voilà, c'est bon, allez. Monsieur A qui traîne sa zigounette dans tous les sens. Ça commence. Et qu'est-ce qu'il me cherche, lui? Et qu'est-ce que tu veux, putain? Je veux t'assassiner avec mon coup de couille. Ouais, c'est plutôt je veux t'assassiner avec des coups de bite, ouais. Ouais, ok. Juste pour préciser, bon, je spoil pas le jeu qu'on va faire, mais juste pour vous préciser, bientôt, non, ouais, bientôt, c'est Riagen. Ah, assez de pognon. Non, j'ai quand même. Bref. Il y aura un autre jeu, mais on vous dit pas lequel. Mais c'est un jeu très connu, mais... Bon, il y a déjà plein de jeux connus sur PS4 maintenant. Ouais. Outlast, c'est le jeu d'horreur le plus connu pour l'instant. Ah ouais. Après, le deuxième, c'est The Evil Within. Et voilà. Et comme vous avez vu, il y a Resident Evil Révélation 2 qui va sortir en février, vous avez vu sur PlayStation 4, je pense. Lui, il m'inspire pas confiance. Jean-Paul ? Ah ouais, t'as quand même une gueule de con. Eh toi, t'as pas été gâté par la vie, toi. Ouais, il me regarde bizarrement. Je pense qu'il t'aurait pas ouvert, je pense, vu que c'est un gros connard. Je crois que de toute façon, ils veulent pas ouvrir. Bah, si il est devant une porte, je pense que ça serait un peu logique qu'il ouvre. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a la porte s'ouvre là? Non. Bah, bien sûr. La porte qui s'ouvre est celle-là. Qu'on peut pas ouvrir. Pourquoi ils mettent des portes qu'on peut pas ouvrir? Alors là, je ne sais pas. Ce serait pas un peu un gros troll? C'est clair. Bon. Ben. Moi je dis qu'on va. On va tenter de rentrer. Il y a un gars qui nous a ouvert, même pas? J'ai cru. Ok, donc il doit avoir un étage du dessus ou une connerie dans ce genre. Là. Ok. Donc déjà, une cuisine. Ok, bon, bah je m'assois. Alors chef, je veux un tiramisu. Nutella. Je voudrais des pâtes au saumon. En entrée, tu mets des œufs mayonnaise, bah, avec de la mayo, de la vraie mayo, hein, ce que tu as fait, hein, pas de la mayo de PD. Pas de la mayonetta. Mayonetta. Merde, j'ai rien dit, je troll. Et en dessert, je voudrais un tiramisu dessus. Tiramisu, voilà ça. Oh putain. Ah, il a rigolé sur le mayonetta, la mayonetta. Mais non, mais c'est dans la fin du jeu, t'as mis du P. Oula. Déjà, on peut monter là. Ok. Donc, ça sent un truc d'enculé. Il y a toujours une... Ah, t'es déprimé de la vie, je fais comme toi. On regarde les gouttes. Sauf que moi je zoome sur les gouttes. Je me demande, il y a quoi comme passion de regarder des gouttes, sérieux? Ah, mais chacun a sa passion, moi je te dis. Il y en a, c'est de manger des chips et du Coca Light, il y en a, c'est de regarder des gouttes. Du Coca Light. C'est vrai, franchement, pour un perso, moi je veux dire entre vous et moi, je préfère le Coca-Cola Zéro. Oula, je sens mal. Je préfère, avant que ça commence, l'action. Je préfère le Coca-Cola Zéro que le Coca-Cola normal. Bon, en gros, le Coca Light et le Coca Zéro, ça fait pareil. Le Coca Light. Je préfère le Coca-Cola Zéro que le Coca-Cola normal. Le vrai. Qui date depuis un bon moment. Depuis qu'il est sorti. Bah, moi, je préfère le Coca-Cola Zéro. Ah. Je sais qu'il était vert avant. Il était vert avant. Maintenant, il est rouge. Ouais, comme c'est. Comme le Père Noël. Ouais, voilà, comme le Père Noël. Encore ces parasites, un patient agenouillé en train de prier. Peut-être qu'il croit aux conneries du père Martin, peut-être qu'il entend des mêmes trucs que moi, mais plus clairement, peut-être que sa méthode pour ne plus être ici, le prêtre appelait ça l'évangile du sable. Ouais, le prêtre Martin qui est assez chelou, mais nous aide quand même pour avancer un peu plus loin, donc je ne lui en veux pas, et je le trouve très sympa. Ok, donc il y en a un qui prie ici. Moi je te laisse prier, hein, ça peut voir. Hein. T'imagines, pour ma vidéo, tu t'endors dans la vidéo, ça doit être bizarre. Moi, je me suis jamais endormi. Ouf, endormi devant une vidéo.
T'imagines ça arrive une fois? Non, franchement, si je sens que je vais m'endormir, la vidéo, je la regarde même pas. Je vais te dire. Non, mais que tu es en train de faire une vidéo toi-même. Ah non, une vidéo, je peux jamais m'endormir. Obligatoirement, je m'endormirai pas. Si vraiment je sens que ça va mal, j'arrêterai avant. Ou si vraiment je. De toute façon, avant que je commence une vidéo. Oh, tout en train de. Avant que je commence une vidéo, je verrai toujours si j'ai vraiment la foi de le faire. Ok, donc là, il n'y a rien. On avance, hein, on ouvre les portes, hein, on est vraiment des connards. Hein. Bonjour, en monsieur, gros, qui c'est qui? Il a la force de faire une vidéo, en gros, s'il a pas, il est pas fatigué. Ah, si j'ai pas la force, je vais pas... Ah, je vais pas le faire pour rien. Ah, on entend une musique d'église. Ça commence à devenir... C'est un peu... Ah ouais, ah c'est catholique. Ouais. Oula. Ah non, franchement, on entend une musique d'église. Vous allez me trouver bizarre. Mais dans les jeux, c'est des musiques que j'adore vraiment. Et pourtant, je suis pas. Je suis pas chrétien. Non, non, c'est juste que je trouve ces musiques assez. Franchement, avec un son assez joli. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, il n'y a pas de chemin pour passer. À moins que. Attends. Non, comment pas. Non, je vais crever si je passe pas. Attends, regarde. Non, on va tenter. Ah, c'est bon. Franchement, c'était seul passage, j'avais plus de passage. Donc, je me suis dit, alors, soit il faut sortir dehors par la fenêtre, parce que comme par hasard, il n'y a qu'une fenêtre cassée ou ouverte. C'est pas pour rien. Dites-moi, c'est pas pour rien. Voilà quoi. Et on va dire ce que j'ai pris avant d'aller, parce qu'on entend des sons d'égout. Le dieu. Je suis nul en anglais, donc ça veut dire en gros, le dieu. Veut rien dire. Voilà, pour moi, veut rien dire, on s'en fout. Alors. Le dieu de, du. L'évangile de Judas. Des ombres. Non, non, les ombres, ça se dit pas comme ça, c'est Shadow. Je sais pas. Je suis un supplicateur indigne qui ne peut servir notre Seigneur qu'en le nourrissant. Je vous en prie, prenez-moi, Wall Rider, que mon apôtre du berger y assiste et que le propage par ses mensonges au service de la vérité supérieure. Votre temps en ce monde est venu. Ma chair réclame votre magnifique spectre. Mon sang est rempli de vous. Et attend d'être libéré. Telle est ma prière. Écrivez votre évangile dans ma chair. Ça, ça peut être qu'une note du Père Martin qui est... Voilà, qui est Google. Vas-y. Ah, ça c'était l'autre côté qu'on n'a pas pu ouvrir. Ok, donc là ça va. Donc tout à l'heure, il y avait une place pour passer dans l'ancien. Ah, ok, toi aussi, tu veux que je me mette tout nu avec une bougie? Putain. Ah non, ça, je sens pas. Putain, il y a des drôles. Eh, mais laisse pas passer. Non, là, il y a les deux gros avec les skeg, là, putain. Tiens! Arrête! De tripoter, regarde! Même mon caméscope vient de griller. Ah, je rush. Je peux pas rusher. Merde! Ah, oh, oh. Non, c'est bon. Ok. Alors, ils voulaient ma chair et mon foie. Et là, maintenant, ils veulent mes bisounours. Alors, on voit. Ah, il y a une scène. You alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record. My resurrection, and together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be. Now, my son. Martin, il est mort. Clé du verrouillage de l'ascenseur. Putain, on a noté quelque chose. L'ascenseur vous mènera à la sortie principale. Nickel. Alors on va regarder ce qui nous a marqué. La passion du Père Martin. J'arrive pas à croire que le Père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort pourri. Et j'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Une sortie. Si c'est la vérité, j'ai maintenant moyen de sortir. Et une histoire à raconter. Ils veulent que je répande son évangile
Putain, je vais tout balancer au monde entier. Oh bordel, ça devient bizarre là. Oula, et maintenant les mecs qui se grattent. Ouais, tu te grattes encore juste derrière la porte. Hein, tu te grattes, hein? Ah non. C'est bien, franchement, alors là, tu dois mon respect. Je ferme la porte à ta place. Ton collègue peut aller se faire foutre. Ouais, bon, d'accord, ok, c'est bon, je ferme pour vous deux. Eh, vous m'attaquez pas là. On dirait qu'ils sont dégoûtés. Non, on dirait qu'ils sont pas contents de ce qui s'est passé. Voilà. Un score qui dit plus rien pour l'instant. Ou qui a du AFK. Ouh putain! On va devoir se barrer les amis, ça se trouve c'est la sortie là-bas. Oh putain, 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 putain. Ouh, ah c'est là. Ouh. Il se barre, c'est bon. Bon alors, vous avez préparé ma mayonnetta? Non? Bon. Bah, je m'en vais. Resto de merde tout pourri. Bon les amis, je pense qu'on va se laisser là. Donc on va rentrer dans l'ascenseur. Voir ce qui va se passer. Et on va se laisser ici. Bon. On a fait un bon épisode, franchement. Alors là, je suis content. Ah, la sortie. Franchement, alors là, c'est très, très bizarre. La sortie, c'était pas en haut. Putain, on va où là encore? Oui, vous le sentez mal, vous aussi? J'ai rien en bas. Non, j'ai rien en haut. Non, la sortie. Oh, bordel de merde. Bon, ben, on va se laisser là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter. Ok. Quel endroit chelou, j'ai envie de vous dire. Donc, on a eu un temps de chargement. Mais je vais revenir en arrière, moi. Quel endroit chelou, j'ai envie de vous dire. Donc, on va se retrouver là pour le prochain épisode. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et je laisse la Dark Aurore, est-ce que tu es de retour? Non, il n'est pas de retour. Bon, bah, il a dû AFK. Ok. C'est pas grave, on va cesser là les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine pour la suite du Let's Play de Outlast. Ciao, ciao les amis!